Je déteste les CRS. Non mais les gens croient qu'ils sont libres. Dans ce pays, c'est t'as le droit de t'exprimer tant que t'es d'accord avec moi. Tu manifestes et bam, un grand coup de flashball dans la gueule. Mais c'est la démocratie, hein. Ah si, les gens, ils ont lutté pour ça, ils y croient, hein. Tiens, c'est quoi pour toi la démocratie? Vas-y. Bah, tu vois, tu sais pas. Eh bien, je vais te le dire. Ou plutôt, je vais te dire ce qu'on te vend comme démocratie. Tout le monde croit que la démocratie, c'est le vote. Tiens, hé, hey, t'es d'accord, toi? La démocratie, c'est le vote. Mais j'en sais rien, moi. Non, mais le vote, c'est démocratique ou pas? Mais le vote, ça sert à rien. À rien? À rien, putain! Mais putain, il y a plein de pays où tu peux pas voter, connard. Alors ferme ta gueule! Hein? Bon, c'est vrai que le vote, c'est pas réellement démocratique. Ouais, c'est vrai, quoi. C'est tout? Mais si t'es pas content, t'as qu'à changer de crèmerie. Tu vois? C'est ça le vote! La vraie démocratie, c'est d'être en cuisine. C'est pas juste de choisir les ingrédients ensemble. Non! C'est les imaginer ensemble. Mais on vote pour qui? Ça aussi, c'est pareil. On vote pour des représentants, des élus. Et les élus, c'est la démocratie. T'es d'accord? Ben oui, c'est super. Ben non, putain! T'as l'impression que le peuple possède le pouvoir en redonnant le pouvoir à une bande de tarés assoiffés de pouvoir? Ben oui, enfin, quand même. Ben, tes élus, quand ils veulent une loi, et toi t'en veux pas, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as bien senti, la démocratie, là? Tu l'as bien senti? Et une démocratie qui fait mal, c'est quoi? Hein? Prêt? Prêt, 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 prêt. Top chrono. Je suis tantôt une forme, tantôt un régime, mais pas de banane. Une république bananière? Non. Top. Je suis la forme qui permet de prendre des décisions quand on est très ou trop nombreux pour décider. J'ai été expérimenté de la façon la plus aboutie par la piraterie du 18e siècle. La tyrannie. Répétez. La tyrannie. Et non, ce n'est pas la tyrannie. Je fus maintes et maintes fois remise en cause. J'ai toujours continué à séduire, mais aussi à déplaire, et cela, de plus en plus au cours de l'histoire. Difficilement mise en place en France par le peuple, c'est finalement la classe bourgeoise qui... Ploutocratie. Top. Je suis un système de rapports établi à l'intérieur d'institutions complexes et hiérarchisées. On lui préférera, notamment en France, l'omnipotence de l'homme providentiel. Je suis... Dictature! Je suis... Dictature! Je suis... Thank you.
citoyens, citoyennes, devant vos yeux ébahis, je vais faire disparaître ce monarque. Et plus fort encore, je vais le faire réapparaître. Et voilà! On n'est toujours pas en démocratie! Mais alors on est dans quoi? Pourtant, c'est pas si difficile de se réunir et de prendre des décisions ensemble. Alors pourquoi on laisse faire ça? Eh ben je vais te le dire. Ce qui risque peut-être d'empêcher de croire à une telle égalité entre les hommes... C'est seulement la vaine conception que chacun se fait de sa propre sagesse. Oui, bien sûr. Presque tous pensant en être dotés à un plus haut point que le vulgaire, entendez par là que tous les autres hommes, à l'exception d'eux-mêmes et d'un petit nombre d'autres auxquels ils accordent leur approbation à cause de leur renommée ou parce qu'il y a convergence entre les vues de ces hommes et les leurs, car telle est la nature des hommes que quelque supériorité qu'ils puissent reconnaître à beaucoup d'autres dans le domaine de l'esprit, de l'éloquence, ou des connaissances, néanmoins, ils auront du mal à croire qu'il existe beaucoup de gens aussi sages qu'eux-mêmes. Mais oui. Eh oui. Parce qu'on se croit meilleur que l'autre, que nos semblables. Tiens, toi là. Mais non, toi là. Nous deux, par exemple, on s'est réparti les tâches. Moi, je prends les décisions, et toi, tu les filmes. Y a pas de problème. Moi aussi, hein. Comment? Moi aussi, je pourrais le faire. Faire quoi? Je fais les cas, hein. C'est important. Les quoi? Les quoi? Tu fais quoi, putain? Tu fais rien du tout, putain, connard! Voilà. Alors, c'est vrai que l'orgueil, ça nous aide pas, là, ça c'est sûr. Pourquoi on se soulève pas, hein? On se soumet, on reste servile. Pourquoi?
Labo ici. À force de soumission répétée, on a entièrement perdu l'habitude de la liberté. Bah oui. D'où ça vient qu'on est soumis? On est ce qu'on mange? Et où commence-t-on à manger? Mais oui, bordel! La famille! Service public en entreprise du CAC 40. C'est ce qui était inscrit dans cet appel. Vous ne l'avez pas signé, Nathalie Arthaud. Parce que la mobilisation, elle ne dépend pas de signatures de différents partis, de tractations d'appareils. La mobilisation et la réussite de ce mouvement, du fait que les contre les retraites. Donc c'est cette conscience-là qui doit émerger. Et ça ne va pas dépendre, encore une fois, de signatures d'appareils. Pour autant, il y a de très nombreux responsables politiques de gauche qui sont aujourd'hui dans le cortège. Le but, c'est quoi pour cette journée de mobilisation? C'est d'en faire une sorte de printemps social pour Emmanuel Macron. L'idéologie du pouvoir maquille la violence en lui donnant un caractère faussement légitime. Oh oh. La communication est mue par un désir d'émancipation s'opposant à la domination. Habermas critique l'idéologie en tant qu'elle peut être le produit d'une fausse légitimation, le produit de consensus pathologiquement extorqué. Un véritable consensus doit être fondé sur la raison communicationnelle, sur des arguments discutés, donc sur le langage. Allez. Il est bon ton cassoulet, ma chérie. À la télé, ils ont dit que les cheminots, c'est des preneurs d'otages. Mais non, ils font juste la grève, mon chéri. Ta mère a raison. C'est des terroristes. C'est comme Daesh. Si je peux me permettre, papa, mon prof de philo... S'il te plaît. On est en train de parler sérieusement, ta mère et moi. Et puis la philo, ma chérie, ça sert à rien. On parlait de quoi, déjà? Philosophie, terrorisme, cassoulet? J'aime le cassoulet et j'aime aussi le tagine. Moi, j'ai fait philo jusqu'en terminale. À la télé, ils ont dit que... Spinoza. Moins qu'aucun autre département de la vie humaine, la politique n'échappe à la condition de la servitude passionnelle. Les idées sont formées par l'esprit dans le même mouvement où le corps est affecté. Les idées sont l'un des effets simultanés de ce qui advient au corps-esprit, et l'idéation n'est nullement affranchie des affects. Mais elle n'a aucun pouvoir de mettre le corps en mouvement.
Monsieur Lean, c'était démocratie. Désolé encore. Merci. Le jackpot est de 4725 euros. Et voilà.